Bonjour, je suis Michelle Joseph. Bienvenue à Let's Learn English with Anna. Apprenons l'anglais avec Anna. C'est amusant d'être dehors et d'apprécier la nature. Certaines personnes vivent en plein air pendant plusieurs jours. Ils font tout dehors, même dormir. Ça s'appelle camping, faire du camping. Maintenant, allons chez Anna dans sa petite cabane dans l'arbre. Elle répond à la question « What is camping? » Qu'est-ce que le camping? Hi, welcome. Hi, Max. Hi, Daisy. Hello, Anna. What is in the box? This is my camping box. What is that? A box holds things. B-O-X. It ends in X. X makes the X sound. I know the word box. I mean, what is camping? Anna, I have our question for today. Anna, answer my question first. What is camping? Anna, me first. The Anna, question is Anna, helpful. Anna. Daisy, please, let me get the question first. What is camping? Max, you are right. The question is helpful. Camping is playing, eating, and sleeping outdoors. Hey, I have an idea. Let's go camping! No, no, no. I do not like the outdoors. I am an indoor flower. On peut faire beaucoup de choses amusantes quand on va faire du camping. On peut pêcher, nager ou faire du bateau, une randonnée. On peut aussi s'asseoir autour d'un feu de camp, manger des guimauves et chanter des chansons. Écoutons nos amis, ils discutent de choses à faire au camping. Camping is fun. You sleep outside in a tent. My favorite part of camping is fishing. I love to fish. On a camping trip, I always bring a sleeping bag. Le camping, c'est amusant, mais il faut des équipements particuliers pour faire du camping, comme une tente et un sac de couchage. Une liste peut aider à rassembler toutes ces choses nécessaires pour faire du camping. Anna doit rassembler tout ce dont elle a besoin pour faire du camping. Donc, elle dresse une liste et elle se sert de numéros qui vont l'aider dans sa tâche, comme first, premier, second, deuxième, third, troisième, fourth, quatrième, et plus encore. Écoute bien pour distinguer ces mots. I am going camping. I need to pack my camping things in order. A list helps. Camping things, please get in my car in order. First is a tent. Second is a cot. Third is a sleeping bag. Fourth is a grill. Fifth is a flashlight. Thank you. Thank you, camping things. Thank you. Maintenant, jouons un jeu. Voici cinq choses dont a besoin Anna pour faire du camping. Which thing is third? The sleeping bag is third on the list. Which thing is fifth? The flashlight is fifth on the list. Which thing is first? The tent is first on the list. Quel bon boulot! Utilise les mots comme first, second et third pour donner l'ordre des choses. Et tu peux maintenant parler du camping en anglais à la famille et à tes amis. À la prochaine fois dans Let's Learn English with Anna! Take me home.